Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Nerdblock. Nerdblock, c'est marqué là aussi. C'est pas marqué en dessous. Faudrait qu'on le rajoute. Non, bref. Celui de mars, vraisemblablement. Oui, on verra dans la description là au-dessus. Ou en dessous. Enfin, ça peut être une nouvelle danse. Non, bref. On va s'y mettre. Je viens tout juste de le recevoir. C'est n'importe quoi. Le dernier Arcade, là, il est parti en Australie pour revenir chez nous. Pour faire. Et puis celui-là, ils m'ont dit samedi, il part du Canada et on est mardi et je le reçois. Bref. Hop. Alors, le thème de ce mois-ci, c'est. Je crois qu'il n'y a pas de thème en fait, c'est un mec qui a choisi, c'est Simon Pegg. Il fait des films comme Le Pub avant le dernier pub avant la fin du monde, Paul avec l'extraterrestre, Shaun of the Dead, Hot Fuzz aussi qui est bien. Qui est très très bien. Qu'est-ce qu'on a de bien? Ça, on le garde pour la fin. Je prends ça d'abord. C'est quoi? The Guardian of the Galaxy Magnet. Ok, j'ai pas vu le film en plus. C'est un aimant. Bon, j'ai rien aimanté ici. Fait chier. Pas aimanté. Tiens, oh putain, c'est quoi? Oh putain. Carrément? Le livre. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une biographie? Est-ce que c'est Simon Pegg? Je sais pas trop. Bon, c'est tout en anglais déjà, hein. Ah non, je pense que c'est une histoire qu'il dit. Ouais, c'est une journée, c'est là. Une journée dans la vie d'un petit garçon. Ah non. Journée où un petit garçon devient un grand garçon. Ok. Ma foi. Pourquoi pas. Il aurait pu le signer quand même. Foiré. Bref, un bouquin. Ça ira avec le pile de bouquins que j'ai déjà. Les comics et tout qu'on a eu. C'est quoi? Money World. Une boîte. Avec un scotch. Hop, et puis le scotch. Un sac. Oh, il y a des autocollants. Il y a quoi comme autocollants? Il y a des autocollants des yeux. Hop, il y a un autre truc derrière. Les autocollants, il y a des yeux, il y a des lunettes, il y a un smoking. Je vois au travers. Il y a des trucs. Des trucs. Ah bah, on va voir ce truc-là, c'est quoi? Ouais, il y a un pot de peinture. Et c'est. Une girafe Milka, sans les taches. Je pense. C'est mauve. C'est mauve, on peut mettre des trucs dessus. En fait, on lui met des yeux. Je pense. Ah ouais, c'est une vache qui a là, des petites cloches qu'on peut lui mettre. Je suppose que c'est des yeux ou. Ah non, c'est des taches. C'est des taches? C'est peut-être des taches. Hop, tu te poses là. Ensuite. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ah ben non, il y a ça. On va lui mettre. C'est quoi ce truc-là? It's April Fool Kit. Ok, un kit pour le 1er avril. Qu'est-ce qu'on a en premier dedans? Ce sont des. Ah, c'est des glaçons avec des mouches dedans. Je sais pas s'il fait la mise au point rapidement, ce connerie de téléphone. Bref, de toute façon, vous avez à la fin de la vidéo hein, tout le reste. Et après, on a. Oh, les emballages, je vous jure. Heureusement qu'on paye pas. Ah bah oui, c'est un coussin péteur. Est-ce qu'on peut coussin péter? Attention les mecs, bon, après Pac-Man, vous êtes plus à ça près, tu me diras. Un petit dernier. Voilà. Ouais, ça faisait des années que j'en avais pas vu de coussin péteur. En plus, c'est un Batman avec Harley Quinn. Hein? Drop the bomb. Sympa, par contre, il y a du tac. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ça. Oh. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Rien de spécial. Nesting Doll 6 Pieces 7. C'est des. Comment on appelle ça? C'est des poupées russes. Comme ça, je pense. Je sais plus c'est quoi le nom. Matryoshka? Ça doit être ça. Hop, hop, hop.
Je viens de faire une connerie. Alors, évidemment, Gardien de la Galaxie, encore un film que j'ai pas vu. Hop, ça. Et ça, on va en parler après, peut-être. Faut que je le lise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est mieux quand il y a de la place. Groot. Michel. Je sais pas du tout qui c'est. Mais merde, c'est la foire aux inconnus ou quoi? C'est qui, lui? Mauvaise copie de Cyclope avec deux yeux? Cyclope avec... Double Cyclope? Après, putain, il y en a combien là-dedans? Je sais pas. Broncoliman. Woman. Il est encore dedans. Oh putain, il est encore dedans. C'est un bordel sur le bureau. C'est un bordel. Ah, je sais qui c'est ça. C'est Raton Laveur. Et on a Bébé Groot en tout petit. Je vais m'amuser à filmer ça après. C'est un bordel. Alors, hop, ça se range. Le double cyclope, il se range aussi. De toute façon, vous aurez après, hein, bien sûr. Il en reste le t-shirt. Mais vous avez après le descriptif de tous les objets. Vous savez, en plan, comme je fais tout le temps, c'est pour ceux qui découvrent la vidéo. Tiens, avant de faire le t-shirt, on va regarder. Le mois prochain, il y a vraisemblablement du Ghostbusters prévu dans le Nerd Block. Cool. Exclusive size. Oh! Titan Nerd Block Vinyl Fact. C'est quoi? Titan Merchandise. Ouh! Je vous propose de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez déjà fait, bah vous l'aurez. Parce qu'ils nous disent exclusive to Nerdblock, subscription bah pour l'instant, à partir du 16, donc depuis hier jusqu'à 15 avril. Et un paquet qui fait 4,5 pouces de plus, ce qui fait à peu près 2, 3, ça, un demi, ça, comme ça, environ. En fait, j'en sais foutre rien, ils utiliseraient des centimètres. Et ça, c'est... Ouais, bah ça, c'est tout ce qui était... tout ce qui était du thème. Alors, maintenant, ça m'a l'air d'être épique. Totalement épique. Je peux pas vous le montrer. Il est trop bien. C'est un t-shirt Shaun of the Dead. Et c'est la fameuse phrase... Alors, je la connais en français, je la connais pas en anglais. C'est « On va prendre une pinte et on va attendre que le monde se détruise. » Ou un truc comme ça dans le film. Et franchement, c'est cool. C'est très, très cool. Parce qu'on a la batte de croquettes, là. On a la bière. On a la musique. Et on a Simon Pegg aussi. Je pense que je... Soit je vais l'offrir, soit je vais me le faire voler. Est-ce que je peux l'offrir à quelqu'un qui veut me le voler? Ça va considérer comme... Mettez dans un commentaire, est-ce que c'est du vol ou est-ce que c'est un cadeau si on me vole un truc que je voulais offrir à la personne? Ce qui veut absolument rien dire. Mais c'est pas grave. Non, c'est encore plus le bordel que d'habitude dans cette chambre. C'est rangé en plus derrière. Donc sur ce, les amis, portez-vous bien. Un petit commentaire, savoir si vous avez aimé. Continuez à aller voir le Nerd Block. Sur ce, bah... On reste à la suite pour voir tous les objets qu'il y a. Surtout la vache 1000K. Mais elle n'est pas de tache blanche. Bref. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour l'arcade bloc. Qui a comme thème... J'en sais foutre rien. Non, c'est vrai, en plus, j'en sais foutre rien. Je crois que c'est les années 80. Enfin bref. On se retrouve dans 15 jours. Sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine!